Ok, c'est parti. Vous gagnez un objet de soutien pendant la partie. Lorsqu'il vous reste peu de PV, couronne l'un de vos champions et... à essayer l'un de vos champions, couronner l'un des champions et essayer de le protéger. Je pense que je vais prendre l'objet support de Fred Jordan. Oui, il faut aussi des emblèmes. Salut Gollum! Alors regardez pas l'interface Blitz, je m'en sers plus. Je m'en sers quasiment plus et au cas où j'ai oublié mes fonctionnements d'item. Oriana, ah bah c'est pas le perso que j'ai envie d'avoir, je suis... Par contre, s'il y a bien une comp que je ne joue pas, c'est Piltover. Piltover et Zone, c'est vraiment deux compos que je connais que très très peu, mais je sais que... De toute façon, les compos Zone pure et dure, apparemment, il n'y a pas trop, mais jouer avec autour d'un Warwick, ça reste toujours très très bien. On nous file un autre sorcier qui est Vel'Koz. Ah, c'est tout. Et pas un objet, pas une thune. Deux Graze on va prendre. Et je pense qu'on va vendre le Vel'Koz. On va prendre la Poppy et on va prendre tout le monde. Et on va mettre ça plus ça. C'est pas dingue. Et Oriana, je pense que je la jouerai pas, donc autant la revendre. J'ai pas trop envie de jouer sorcier hein. Vraiment c'est... J'ai pas envie que dans ma première game ça soit sorcier J'ai pas trop envie quoi. Et surtout si j'ai pas d'objet, c'est pas mal. La première objet, une armure. Ok, d'accord. Samira, Jean. Il nous manque Irelia donc. Et deux Shogat. Avec un Vel'Koz. Ah, c'est pas. C'est pas folichon quoi. Bah, est bizarre la compa. Pour le moment, c'est très bizarre sur quoi on est tombé là. Et le jeu n'a pas envie de me faire une game facile dès le départ. On n'a pas d'Irelia, on n'a pas de set, on n'a pas de... Ouais, le pauvre Vel'Koz qu'on m'a donné au départ. Mais bon, moi, je suis pas un grand fan de Shogat. Hein. Retour sur investissement. Après avoir actualisé votre boutique 18 fois. Ouais, ça a l'air chelou. Votre tacticien se déplace plus vite. Ça, c'est nul. Bah, ça me paraît pas forcément dingue. Détermination du bourreau. Quand vous bourreau subissez ou inflige des dégâts. Mais merde, le jeu il est en français. Je dois mettre le jeu en anglais. Moi j'y comprends rien. Bourreau, moi je comprends même pas le terme. Bourreau pour moi c'est du chinois. Je sais pas ce que c'est qu'un bourreau moi. Emblème Ionia c'est toujours pas mal. Emblème Ionia. Le problème c'est qu'on n'a pas d'Ionia. On va dépenser du truc. On va mettre ça là. On a une gargouille Poppy. Hop, allez, on utilise nos items. Hein. Ça, c'est mieux, ça fait rentrer Challenger Darkin. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. On joue Ionien sans Ionien. Bien joué, Hardy. Il a un Swain gargouille dès le départ. Est-ce que. Est-ce que ma Poppy va tenir plus longtemps? Elle a l'air de tenir la Poppy, oui elle a tenu un petit peu mais pas beaucoup plus, ça va être chaud, il focus pas le même, l'autre il aura jamais le temps de cast, on a perdu le fight. Ça commence bien, ça commence bien. Avec ton il dégage. Putain Irelia, c'est dans ton cul Irelia, hein. J'ai pas le droit d'avoir d'Irelia, j'ai une Miss Fortune qui se balade, une Kiana qui se balade, X-Tal. Wow, la compo chelou. Bah lui on va rentrer ça pour le moment je pense, c'est peut-être mieux. Le jeu est pas gentil, je rentre MF mais MF sans spell bon. J'aurais pu rentrer Beachwater, c'est vrai, Beachwater les amis, c'est vrai, j'ai oublié. Graves, MF, j'aurais pu rentrer Beachwater. C'était sans doute le choix à faire. Bon, tant pis. Lui, il joue sorcier vide. Sorcier vide. Il perd contre nous, sorcier vide. A priori, oui. Après, c'est pas trop mal. Non, il gagne contre nous, quand même, heureusement. Après, on a Slayer avec Kiana et machin. Donc, déjà, deux loose. Hein. Deux loose pour le roi français. Le roi des débilos. Ça va très très bien. Oh là 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 là, mais le jeu m'encule profond dans toutes ces prises de décision. C'est pas mal. Qu'est-ce que je peux faire qui pourrait être bien?
Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. Là, faut revendre hein, les petits potes. Ça, ça fait rebelle. Alors, c'est marrant, c'est qu'on est censé jouer Ionia, mais on, pour le moment, on n'a pas d'Ionien qui drop. J'ai jamais vu ça. Je crois que j'ai jamais vu ça depuis très longtemps, d'avoir aucune Irelia pendant 3 jours. Le Shojin, c'est pas si ouf que ça sur elle. Hein. J'ai pas envie de le faire, je pense. On fait 2 kills du côté de Miss Fortune. Bon, ça va, tu me fais plaisir quand même. T'aimes bien Qiyana? Oui, elle est pas mal, Qiyana. Il y a une écho. Je vais jouer assez vite. Je vais aller chercher la baguette. C'est une Kin, donc c'est une Slayer Demacia. Ah, bizarre notre comp, hein. Après, après en Ionia, dans... je peux juste jouer Ionia 1, hein, au pire. Ah, une autre Ionia. Une autre Ionia. Et pour le moment, Ionia, compliqué. On va repasser à 20 thunes, je pense. Voilà. Je dépense, ouais, je dépense. Je peux faire le pistolam sur elle et je lui mettrai le blue buff après. Je vais revendre ni l'un ni l'autre, je pense. Je revends les deux, mais ouais, c'est qu'il, le but c'est qu'il passe un quand même. Début de partie extraordinaire. Alors, obligé, il entend un game, il y a un mec qui prend toutes les Irelia. Ouais, c'est hallucinant de voir aucune Irelia comme ça depuis le début, elle a été retirée du jeu ou quoi? Il n'y a aucune Irelia nulle part. Ou alors elles sont toutes mortes là, on va voir. Mais pas d'Irelia, pas d'Irelia, pas d'Irelia. Non mais Irelia n'existe plus dans le jeu, je vous le dis. Elle a été supprimée en fait, c'est un patch. Ils l'ont mis... Il n'y a pas d'Irelia. Irelia n'est pas dans le pool, il y a un bug. Il y a un bug, il faut pas du tout jouer Ionia. Surtout pas, il n'y a plus Irelia, Irelia n'existe plus. Il y a un set là. Là il y a un Jin. Là il n'y a pas de... Non mais c'est quoi ce Vince? Ouais, je sais qu'on peut faire... Je peux faire Ionia 3 au pire. Au pire je fais Ionia 3 quoi. Je fais juste Ionia 3 et je pars sur Beachwater. Sauf qu'il faudrait avoir un peu plus de Beachwater qui fasse le café quoi. Finalement, j'aurais pas dû mettre les items sur Karma, quoi. Parce que MF Karma, ça se stuff à peu près de la même façon, je crois. On a gagné un fight. On a gagné un fight, merde! Ah bah j'y croyais pas, hein. On a aucune unité augmente. Non mais c'est une blague. Irelia n'existe plus dans le jeu. J'ai pas regardé le patch, j'ai pas regardé s'il y avait un patch. Peut-être qu'ils ont supprimé Irelia. Hein. Ça se posait des questions quand même. Parce que là, Ionia, j'aurais été tranquille dessus. Hein. Il y a juste un pauvre set là. Il y a Jin qui est pris. Enfin, qui est pris, ça, pas vraiment quoi. Par contre, Beachwater, on est 50 dessus. Hein. Ionia, j'aurais été tranquille pépouze. Hein. Littéralement. Hein. Faut avoir une baguette, mais... Darius, Nautilus, bah Nautilus je peux le garder. Jace, je pense que je m'en fous. Irelia! Mais c'est incroyable! C'est incroyable du cul, Irelia est là! Regardez, je la garde, hein, c'est la seule du pool. C'est la seule, on peut que la voir comme ça. Une Poppy, Nautilus. Ça, ça fait rentrer Jugger si je fais ça. Ah non.
Bah lui je m'en fous de Darius globalement. Ok, ça je garde. Je pense qu'on a perdu là. On a un augmente de grave mais c'est trop léger pour que ça soit suffisant. Ouais mais fait 0 kill, dommage, elle mettait l'eau Galio, on prend beaucoup de dégâts là-dessus. Alors, on a 3 Ionia, mais on en a pas encore 4 dans le board. Il faut rentrer Irelia et on a 3 Ionia, donc on va bientôt passer à avoir des pognons. Votre arc court, vos unités gagnent 12% de vitesse d'attaque sous le couvert de la nuit. Vous gagnez manteau de la nuit, ça me semble pas bien. Vous avez exactement 2 exemplaires d'un champion de plateau, il gagne 33% de dégâts. Vos unités récupèrent 20 points de mana toutes les 6 secondes. Ça me paraît pas dingue, vous gagnez 2 composants à partir là-dessus. On a Jhin et Irelia. Ah ! Peut-être pouvoir arriver à les jouer un jour. C'est quoi les items qu'on m'a filé là ? Lame d'infini ou BT ? Non, ça c'est nul. On va les garder pour le moment alors. Je peux rentrer Irelia, pas tout de suite. Je pense que je dois encore perdre un coup. C'est ballot, je dois perdre encore un coup. Poppy, je m'en fous quand même au bout d'un moment. Elle sera remplacée par Nautilus en fait. Ionia, ça se porte bien sur l'un des personnages de Bilgewater. Est-ce que je mets... C'est quoi, c'est Nila qui porte bien l'emblème Ionia? Ou CMF? Je crois que c'est Nila qui porte bien l'emblème. Putain, on se prend des branlés les potes. Hein. Je fais du mieux que je peux, mais le jeu se fout de ma gueule. Y'a pas d'Ionia pris par personne et t'as pas le droit de jouer. Irelia, y'en a que deux dans le pool. Irelia, ça commence à être bien. On va faire rentrer bien évidemment Irelia en passant le level maintenant. Ensuite, on prend ça. On en fait un item support qui va être... J'ai le 7 également. Putain, on est en train d'arriver à faire quelque chose. Ça va pas du tout suffire, mais nos unités sont pas stuffées, mais je pense que c'est moins ridicule qu'avant déjà. Ouais, c'est Nila qui porte le mieux la spat Ionia. Ouais, est-ce qu'il faut que je mette ça sur Nila? Des good games, pas compliqué du tout. Il me faut une baguette. Mais vu que je suis avant-dernier, j'ai la baguette, c'est bon. Essaye d'Irelia. Let's go. On va avoir Irelia 3, je vous jure. Pas du tout, ça sert pas à grand-chose. On va pouvoir faire un objet sur un perso, on va le revendre. Il faut que je mette ça plus la baguette. Et il faudrait que j'ai ensuite un blue buff. Qu'on pourra ensuite transférer à Harry, au pire, stuff, ou à un Silco. C'est vrai que Silco aussi, mais bon, Silco... Hein. S'il arriverait bien dans notre compo là, Graze. Donc là, on prend Talia, on fait ça, on fait ça, on jette Talia, on prend ce truc là, on le met là. C'est la karma qui est pas là quoi, qui fait chier. C'est la Karma 2 qui est pas là. On a une BF. Faut garder du stuff pour Xayah. Nila, on lui met juste la... C'est un peu mieux là. C'est un peu moins dégueu. Mais ça, à mon avis, ça perd toujours. Hein. Mais c'est toujours... Mais c'est moins dégueu. Il a une Kaisa. Ouais, on perd encore.
Non, c'est dingue, hein. Je fais vraiment du mieux que je peux et j'ai pas eu beaucoup de chance. Je pense Nautilus, je le garde pas. Ah, Silco qui nous est proposé. On peut pas tourner sorcier, on a pas de sorcier. Hein. Je pense que je vais devoir stabiliser au 7, je fais que de perdre. Il aurait fallu que je roule un peu pour essayer d'avoir... Après je pourrais rentrer sorcier si je prends ça. Quel perso je laisse tomber Oh là là, c'est trop dur. C'est trop dur quand le jeu t'encule comme ça et te met que des persos. Ne te level pas ta Poppy, ne te level pas ta Illaoi, ne te level rien quoi. Je pense qu'il faut mieux que je enlève Poppy et que je mette Swain et que je rentre Silco à la place de Karma limite, j'en sais rien, j'entrerai deux sorciers, ouais, non, je sais pas. Oh, ce fight là on gagne. Ah, pas sûr. Hein. C'est quand même un Aphelios, c'est dangereux. Non, c'est bon, on gagne ce fight. Incroyable. J'hésite à passer à enlever Poppy et à mettre bah là c'est mieux. On a Nila qui est sorti. Donc on reste on enlève MF. On enlève quoi là? On enlève Poppy. On met Nila à la place de Silco. On lui met ça sur la gueule. C'est qui mon tank? Mon tank, c'est Shen. Que j'ai pas Shen. Spoiler, j'ai pas Shen pour le moment. Donc lui, on laisse tomber. On roule peut-être un peu. Peut-être pas lui rouler au 7, ça aurait été mieux. Swain en dessous de ma gueule. 7. Je peux enlever un Beachwater pour le 7 pour le moment. Non mais je perds. Oh là là, j'aime pas du tout ma compo. Je sais pas du tout quoi faire, au secours. Ah mais j'avais un personnage à rajouter. Ah bah c'est bon, il a réussi à rajouter. Il me faudrait des bastions, il me faut Taric. Ah j'aime pas ma compo hein, du tout. J'arrive pas à faire ce que je voudrais avec la compo. Alors que je dépense des gold, hein, je vais crever trop vite sinon. Puis j'ai pas à transférer mes items de tank. Ouais, il faudrait vraiment un chêne. Flibustery. Oh, j'ai pas envie de jouer ça. Hein. C'est fort ça, arme à lunettes, on va prendre ça. Ah j'ai Taric, je peux le mettre à la place de Illaoi. Pourquoi j'ai pas de bastion? Parce que je suis trop con je pense. Je suis paumé. Il y a un dicton. Ne jamais combattre les Yoniens sur leur propre sol. Oh je suis paumé dans ma comp. J'y arriverai pas. Je vais mettre ça sur Taric pour le moment. Et j'ai pas mis les unités autour. Je vais mettre ça. Tant que j'ai pas Shen. Oh merde, c'est pas ça. Je voulais faire une BT, mais c'est vrai que j'ai utilisé mes Négatron. Bon, c'est pas grave. C'est pas non plus si on détruit ça. C'est un perso physique ou magique ça? Physique. C'est une des premières fois que je joue Nila parce que pendant le PTS, je voulais pas la jouer. Je la trouvais débile pendant le PVE. Bon, j'ai quasiment jamais joué. J'irai l'IA 2, mais ça sert à que dalle. Je sais pas si je dois me tourner vers Sionia ou. Ou rester comme une compo bizarre comme ça. Ah bah j'ai Zaya. Sauf que pour faire s'y rentrer Yona, je suis obligé d'avoir Shen là, non? Parce que Jin, je l'ai jeté. Je pense que je vais laisser tomber Beachwater et partir Yonia bientôt, mais il me faut Shen, c'est ça, pour avoir 6. Je rentre Shen à la place des Beachwater.
pour le moment. Ouais, c'est ça, je vais rentrer. Je vais essayer de rentrer. Je vais essayer de rentrer Sionia, mais il me faut Shen. Là, je rentre à ce moment-là Xayah et Shen, et je passe à 6. Je perds Beachwater, mais tant pis. Je pense que ça peut être bien. C'est une très bonne argumente que j'ai pris. Ouais. Le dernier item pour machin chouette, ça serait du sustain. Je vais aller prendre une BT quoi. Pour Nila. Voilà, le but c'est de roll chaîne en fait. J'ai plus combien, j'ai combien de PV? Est-ce que je peux me permettre de perdre encore une fois? Ouais, mais après, faudrait vraiment que je récupère chaîne là maintenant tout de suite. Ça serait trop de cul. Il y avait pas un chaîne quand même? Je vais pas regarder s'il y avait un chaîne. C'est peu probable que je tombe sur chaîne maintenant, non? Il faudrait que je prenne un level encore. Je n'ai qu'une vie à donner à Yonia. Ouais, je pense que je suis... Oh putain, j'ai des Aphelios avant vous. Chaîne. Ah, donc lui, il dégage. C'est mieux, là, je crois. On est à Sionia, les amis. C'est un peu mieux. J'ai ici dégage. MF elle dégage. Là c'est bien là. Là je crois qu'on a, on tient quelque chose les amis. On tient quelque chose. On tient quelque chose là. Salut, salut. Salut, on tient quelque chose les amis. On tient quelque chose de moins dégueulasse. Lui juste il peut pas être remplacé. Ou alors je passe 8 et je rentre un Beachwater et je rentre GP quoi. Là je passe 8 non? Là je pense qu'on va, on va regagner là. J'ai confiance, j'ai confiance. Ou alors est-ce qu'il faudrait pas aller chercher une Karma 3? Une Irelia, je suis à une Irelia de l'avoir 3. Sauf que les probabilités sont tellement basses maintenant qu'il faut plus du tout miser dessus. Karma, je suis quand même loin de Karma 3. Je pense que là, on a vraiment gagné pas mal en DPS. Le shred armure de Xayah pour Nila est pas mal. Faut juste que Manila crève pas. Manila crève trop vite. Ah, j'ai perdu quand même. Ouais, j'ai perdu. Fais chier, merde. Ouais, il faut un up de Nila et un up de Xayah quoi. Et il faut un up de Shen. Salut Ioriz Kuzuki, salut à toi. Là il nous faut une larme pour le blue buff de Karma. Non. Non. Et non. Pas de bol. Une larme. Comme ça on met le blue buff à Karma. On a Karma 2. Si on va essayer de passer 8, et essayer de rouler après. Karma. En vrai, je m'en fous. Choisis des items. Shen il est mort à une vitesse mon pote. Mais on a tué son Swain donc on a peut-être une chance. We are the champions, my friend. Du. Ah, il y a deux Irelia sur le board, le con. Je suppose que c'est mieux que rien.
On roule là, hein. Il faut roule. Hein. Pas de bol Iker. Putain, il a un truc 3, j'ai peur. Ah, j'ai perdu ma front à une vitesse, mais lui il perd sa front également rapidement. Oh, ça va. Ça va, on est toujours vivant. Toujours vivant, les amis! Faudrait vraiment qu'on ait Irelia 2 et Karma 2, mais bon, ça serait basé un peu sur de la chance, et bien évidemment, vous me connaissez. Vous me connaissez, hein. Ma chance, les amis. Ma chance de malade. Oh, je suis dégoûté par la poisse que je peux me taper dans le jeu. C'est genre. Puis ça me rapporte que 5 gold d'avoir fait ça. Karma 3. Je suis obligé de faire ça parce que sinon, peut-être que ma karma elle est mal positionnée là. Elle soigne pas beaucoup ma karma, j'ai peur. Ça passe. On est toujours vivant. On a karma 3. Maintenant il faut que Zaya et Nila et Shen 3. S'il vous plaît. J'ai besoin juste d'un Jack. Aidez-moi. Oh là là, j'en sais rien moi. C'est ce truc là. Là, je savais pas trop. Peut-être ça. Ça, c'est l'emblème zone. Ça, c'est l'emblème. Oh, il y avait un chêne! Abruti de merde! Ça sert à rien. Mais s'il vous plaît! S'il vous plaît. Quel con, j'aurais dû prendre le chêne. Le chêne, ça l'aurait fait tanker tellement. Mais quel abruti de merde. Je suis pas concentré, je suis con et centré à la fois. La Fiora me fait très peur, les amis. La Fiora fait très peur, mais on la shred. Elle arrive quand même à Ultima Karma. Manila est partie sur autre chose. Elle retombe sur la petite Fiora de mes couilles. Elle tue Manila. Et c'est foutu. On meurt pas, mais c'est foutu. On peut plus la tuer, la Fiora. Putain, j'aurais eu chaîne 2, j'aurais gagné. Je suis sûr. On est toujours vivant. On n'est pas encore top 4. On n'est pas top 4 et on a un bastion. Je pense que c'est peut-être mieux que ça. Ouais, mais là, faut que je foute tout sur Kassente. Il n'y a aucun intérêt de... Ça vous dirait de me filer le perso dont j'ai besoin? Mais c'est quoi se faire enculer à ce point par le jeu, quoi? Mais pourquoi le jeu... Non, l'item, je l'ai foutu sur 7! Mais je me fais enculer! Mais non! Mais non! Mais non, c'est... Mais non! Et là, ils vont me filer un chêne. Vous allez voir. Ils vont me filer un chêne. Ils vont me filer un chêne. Ils vont me filer un chêne. Non, ils vont me piler Xayah. Putain, je suis deg, le 7 il a deux items qui servent à que dalle. Non, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû garder l'item qui va me filer. Ah, oh, mais je suis un abruti fini aussi. Ah, oh, y'a rien qui va dans cette sur cette Iker TV, y'a rien qui va. Il est full bourré. Je suis top 4. Non, je suis toujours pas top 4. Oh, je vais faire top 5 parce que j'ai été nul. 0 sur 20. Ah oui, j'aurais mis ça sur monsieur, ça aurait été trop bien.
Je vais faire dans Nashor pour Xayah, tiens. Hop. Ça vous dirait de me filer une Nila? Xayah maintenant. Gangplank? Non, c'est mieux, ça fait rentrer Bilgewater. Sauf qu'il synergise pas du tout avec ces items là, lui. Merde, j'aurais pu améliorer. Oh non, j'aurais pu faire ça et le... Oh, je vais perdre là-dessus, j'ai pas transformé ma Nila. Il a deux Nila 2, le connard. Faut l'enculer. Faut l'enculer, j'ai dit. C'est bon. C'est bon. Toujours en vie. Nila 2. Oh, qu'est-ce que je joue mal. Au secours. Pas sûr que c'était bien de le mettre là, le GPM, c'est pas grave. On pourra pas aller 9, hein. Ouais, cette, Harry bien calme avant que Harry, c'est bien aussi, mais... Oh, j'ai le Karma 3, quand même, pas exagérer, j'exagère quand même. J'ai pas exagéré non plus, j'ai pas foutu une Harry 1 à la place d'une Karma 3, quand même. J'aurais dû tout décaler pour protéger Karma, quand même. Lui, on le bat, lui, on le bat, il est nul, il est nul, il est nul. Il est nul, je vous dis. Ah, j'ai peur, là. Nila, ma frontline qui meurt, sa frontline aussi, le paquebot qui a touché, Nila qui carie des culs, Nila qui est complètement con, on l'avait pas joué sur le PBE une seule fois tellement c'était con. On découvre la connerie ensemble, la connerie de Nila, c'est la première fois qu'on la joue, on l'a pas joué en 3 semaines de PBE tellement le perso est débile. Toujours vivant. Je reforge. Ça sert tellement à rien de mettre le stuff sur lui. Première game, j'ai fait top 1. Bah, première game, je suis dans le top 3. Je suis déjà très content. Je pense que lui va m'exploser. Il a trop de perso T3. Oh là là, la vitesse d'attaque sur Nila de Gangplank qui carie des culs. Oh là 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 là, elle était dans la zone d'augmentation de vitesse d'attaque de Gangplank. C'était magnifique, all calculated. Est-ce que tu bats le mec? Oh non, il a gagné. Non, tu as gagné. Ouais, il a gagné. Tu tombes à 12 PV, mon pote. Réfléchis, Kier. Warmog, Warmog. Ouais, Warmog. Hein? Merci. Warmog chaîne. J'ai foutu une Warmog sur chaîne. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? J'ai foutu mes items de manière débile. C'était lui qui devait porter ça. Chaîne, on s'est fait troll 10 fois. Chaîne 2. Je pense que je dois essayer de trouver Gangplank 2. Oh putain, ça, ça va. Ça, t'es un sacré up. Ça, c'est un sacré up, les amis. Oh, ça, c'est un sacré up. J'aurais dû foutre le 7 à gauche pour qu'il bloque. Nila, fais pas la maline. S'il te plaît, prends le stéroïde de vitesse d'attaque, ça me va, mais fais pas la roue la maline quand même. Merci. 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 On se rappellera que la première game de ce split aura été un top 1. Nous sommes argent 4, 38 PL. Incroyable.